Bonjour à tous et bienvenue sur Nerfin Progress. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Rival Atlas. Donc, blaster à pompe mécanique. Pas mal aussi comme blaster, ça. Alors, celui-là, par contre, il a la particularité, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous chargez, il charge deux boules. Donc, il en envoie deux à la fois. Donc, on va voir dans un premier temps pour lui changer de ressort. Donc là, j'ai trouvé, c'est un 18 kg. À mon avis, ça va tabasser. Bon bah allez hop, il n'y a plus qu'à démonter. Alors du coup, comme on peut voir, le ressort est assez grand, déjà costaud, hein. Au niveau du joint, eh ben, on est pas mal, enfin je veux dire, on est, y a pas trop de jeu dessus. Par contre, il nage hein, quand même dans le... On voit, hein, ça nage pas mal. Donc c'est pareil, on va... faire comme d'habitude, mettre du téflon en dessous le joint histoire de le faire ressortir un petit peu plus pour que l'étanchéité soit meilleure. Et puis du coup, si on prend le nouveau joint, le nouveau ressort, pardon, voilà, longueur quasi identique. Par contre, hein, on voit qu'au niveau de la section, voilà, beaucoup plus balèze quoi. Donc du coup, j'ai mis du téflon, j'ai mis de la graisse, voilà, du coup on voit bien que là, l'étanchéité ça bouge quasiment pas là, il n'y a quasiment pas de jeu, à mon avis la compression va être super bonne,
pour le restricteur, donc pour le coup c'est assez simple, une petite vis au bout, faut juste tenir de l'autre côté en même temps pour pas que ça tourne. Il n'y a plus qu'à remettre ensemble. Pour remonter, vous avez une encoche juste ici, là, qui vient. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. On va remettre. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. Donc, du coup, ça se remet assez facilement. C'est plus qu'à remettre les quatre petites vis. Voilà, j'ai fini de remonter le blaster. Donc, j'ai fait une petite peinture, comme je fais d'habitude. Là, j'ai mis un petit chargeur. Il a un côté un peu fumé noir. Je trouve que c'est pas mal. Sachant que j'en ai un aussi full black. Du coup, voilà ce que ça donne une fois remonté avec la peinture. Et du coup, bah maintenant, on va pouvoir faire des tests de tir avec le nouveau ressort. Allez, on y va pour les tests de tir. Blaster chargé, il n'y a plus qu'à. Nickel, en plus là avec les deux balles, du coup ça les propulse bien en même temps, franchement c'est que du bonheur, super blaster. Bon, et bien pour conclure cette vidéo, donc des petites photos d'un peu plus près du blaster avec la peinture que j'ai faite. Un mode assez simple à faire pour le coup, hein. C'est assez simple de changer le ressort dessus. Il existe un mode supplémentaire pour en fait ne lui faire tirer qu'une seule balle à la fois. J'en voyais pas trop l'intérêt puisque moi j'ai déjà un Hypnos qui le fait, un blaster à pompe. Donc là c'est aussi un blaster à pompe mécanique. Et du coup je trouve que le côté justement plus fusil à pompe qui balance plusieurs projectiles un peu comme les cartouches de chasse, ça balance deux balles à la fois, c'est très très bien comme ça, donc je l'ai laissé pour le coup comme ça. En plus avec la capacité du ressort qui a été rajoutée, plus voilà l'étanchéité un petit peu refaite, je trouve que ça tabasse déjà très très bien et avec deux balles à la fois c'est vraiment fun quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur vous avez des remarques, quoi que ce soit, pourvu que ça soit constructif. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !